Ah, c'est parfait. Vous n'avez pas une petite grappe de raisin, là? Un truc? Oui, on n'est pas tes servants. Vous n'avez certainement pas pu passer à côté. Close, c'est le film belge qui a fait le plus parler de lui cette année, ou presque. Il a valu à son réalisateur belge Lucas Daunt, 31 ans, d'être récompensé à Cannes par le Grand Prix du jury et même nommé aux Oscars. Déjà, c'est le deuxième film de Lucas Daunt et sans doute son plus personnel. Révélé en 2018 avec le film Girl, il a attendu d'être prêt pour enfin réaliser Close. Il a puisé dans son propre passé pour nous raconter cette histoire. Il y a un moment tijdens mijn puberteit waarbij dat de intimiteit die ik deelde met andere jongens, dat ik daar schrik van begon te krijgen. Omdat ik voelde van dat dat in onze maatschappij snel gelinkt wordt aan homoseksualiteit. En die labels en die boxen en die normen op die leeftijd van 14, 15, voelde ik van dat ik daar eigenlijk echt nog niet klaar voor was. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik afstand ben beginnen nemen van best wel wat jongens met wie ik eigenlijk een mooie, intieme relatie had. En voilà, ik zeg vaak dat de film een soort hommage is aan de vrienden die ik op afstand heb gehouden of de vriendschappen die ik daardoor ook verloren heb. Close est donc un film poignant qui pose finalement ces questions. Comment notre société patriarcale hétéronormée peut empêcher deux garçons très amis de vivre de manière épanouie? Et renoncer à une amitié forte, est-ce le prix à payer pour devenir un homme dans notre société? Eh bien, le film parvient à évoquer tout ça de manière subtile, avec une mise en scène et un casting impeccable. Ils sont derrière, cours!